Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mes commandes en cours sur AliExpress. Alors, j'ai mis dans mon panier pour débuter ce lot d'étiquettes noires afin de customiser un vide-poche et de ranger par ordre tout ce que j'ai à ranger qui est encore dans mes cartons. J'ai donc aussi commandé ce stylo craie, pardon, pour écrire simplement sur les étiquettes et de nommer chaque étiquette. Ce coussin, c'est un coussin de rembourrage parce que j'ai commandé sur le côté deux petits coussins MK et la taille n'était pas standard. Quand je dis pas standard, c'est qu'il n'y a pas de 45 par 45 en France, c'est plutôt du 40 par 40. Et donc il me fallait absolument les coussins de rembourrage, vu que ces coussins font 45 par 45, c'est bien noté au-dessus. Voilà. Ensuite, pour l'anniversaire de mes nièces qui sont jumelles, je leur ai offert tout un tas de petits objets comme cette coque iPhone pour Julia, ma nièce, pour son nouvel iPhone. Et aussi des perches pour les selfies, pour iPhone et tout modèle apparemment. Comme vous le savez, je me suis lancée dans l'aventure semi-permanent et pour retirer, pour éviter d'en mettre un peu de partout, j'ai décidé d'opter pour ces 100 pièces aluminium foil pour servir pour la dépose du vernis semi-permanent. Vu le prix, c'était une affaire. Il me fallait aussi des petites lingettes exprès pour la manicure, pour passer le cleaner. Donc là, c'est 900 pièces pour 1,35€. J'ai pas pris de gros risques. J'ai commandé ces repousses cuticules en métal par lot de 3 à 1,08€, car je n'avais que des bâtons de buis, de bois. Donc ça manquait à ma collection. Et puis, je pense que j'en aurais besoin. Comme vous le savez, dans les vernis semi-permanents, le packaging est bien opaque, donc pour découvrir la couleur et pour choisir, c'est assez difficile rapidement. Donc ces bagues que l'on pose au niveau de l'opercule, enfin, du bouchon, seront bien plus pratiques une fois la couleur catalysée. Cette petite bague blanche en acier inoxydable et en rose gold, parce que moi je l'ai commandée en rose gold, je pense que ça va beaucoup me plaire. Avec une belle French, je pense que ça va être bien sympa. Il me fallait aussi des dotting tools pour appliquer la French au vernis semi-permanent. C'est beaucoup plus pratique et je n'en avais pas. Je n'en avais pas du tout fait un, mais beaucoup trop gros, qui à la base me servait pour la fimo. Ensuite, pour mon autre nièce jumelle Emma, elle voulait absolument ce petit lapin en coque avec la petite queue derrière. Donc elle l'a choisi en blanc. Et il est arrivé à l'identique de la photo qu'elle m'avait présentée. Donc ça, vu le prix et tout, enfin, c'est top. Hein. Un petit coussin pour la manicure aussi, je n'en avais pas. Et je veux toujours la mettre à plat pour appliquer mes vernis et c'était pas trop pratique. Donc celui-ci, je l'ai commandé en rose. Il est arrivé très rapidement. J'ai commandé aussi ces deux flashs à clipser, enfin deux pour les jumelles bien entendu, à clipser sur iPhone ou autre téléphone qui renvoie la lumière lors de selfies la nuit. Parce que des fois les enfants le soir, les coquines sur Snapchat. Voilà, ceci était mes commandes en cours, j'ai pratiquement tout reçu avant de leur offrir leur cadeau à mes nièces. Je vais vous filmer une vidéo vous montrant la qualité des produits commandés pour donner mon avis. Si cela vous intéresse, cliquez sur le bouton en haut s'abonner pour suivre mes vidéos au quotidien, enfin au moins une par semaine minimum pour commencer. Et puis on s'y remet doucement, mais sûrement. Vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo pour donner votre avis. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour le haul des produits commandés et puis d'autres vidéos qui sont en cours d'élaboration. Voilà, je vous fais des bisous, puis prenez soin de vous. À bientôt.